J'accueille Elena Lenina. Vous êtes donné le mot pour les trucs verts un peu vaporeux comme ça. Bleu. Ouais, oui, c'est bleu, ouais. C'est très saillant en tous les cas. Je comprends pas que tu en aies pas un, toi. Là, tu fais moi, un tout peu. Tout le monde sait qu'il y a ce qu'ils font aussi. Ah oui, d'accord. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, après un jeu de télé-réalité, une autobiographie et un disque, vous revenez avec un livre chez Grasset sur les milliardaires russes et vous dites « Je ne suis pas celle qu'on croit ». Oui, on s'imagine que je suis une James Bond girl, comme toutes les Russes, mais en fait, je suis bouddhiste. J'essaie d'être philosophe. Ah. Vous dites qu'on peut être calculatrice sans être machiavélique. Oui, on peut être ambitieuse dans le bon sens du terme. On peut être réfléchie, rationnelle dans le bon sens. Calculatrice, ouais, aussi, il y a des bons côtés de ça. Vous êtes dans la liste des 12 sex-symboles de la télé, mais vous dites « je préfère marquer les esprits par mes livres ». Je suis très contente de marquer les esprits tout court, mais c'est vrai que quand on a quelque chose à dire, je pense que petit à petit, ouais, les gens vont lire. Ouais. Vous êtes amoureuse en ce moment? Non. Vous avez du mal à tomber amoureuse, hein? À partir de certains moments, ça devient difficile. Ouais. Quand on comprend un peu la nature humaine, ça devient encore plus difficile. J'ai du mal. Le problème, c'est que vous avez voulu épouser un homme, là, et pendant votre relation, il a fait un enfant et une autre femme, quoi. Ça, c'est quand même... Non, mais c'est dur, non, vraiment. Ça aide pas à avoir confiance aux hommes, non. Ouais, c'est sûr, hein, c'est décevant, quoi. Alors tiens, pour reprendre notre interview tout à l'heure, Michel, un homme qui fait un enfant et une autre femme pendant que tu es avec lui, tu le quittes quand même, non? Ouais. Alors, le seul que vous aimeriez aimer, c'est Laurent Ruquier. Oui, c'est vrai. Vous avez dit, en parlant de Laurent Ruquier, lui, c'est... Quand il veut, où il veut. J'adore Laurent Ruquier. Je pense que c'est un garçon très, 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 très fin, très intellectuel. Et j'aime son sens d'humour. J'aime déjà les hommes qui ont beaucoup d'humour. Hey, je trouve que Laurent... C'est pas la voix de Péchou, toi. Ouais. M'étonnerait qu'on rentre à vide. Hein. Franchement, il paraît que le sens d'humour, c'est un bon signe d'intelligence. Ah, oui, ça améliore les hommes. Bien, ouais, sûr. Et vous préférez Laurent Ruquier ou Laurent Baffy? On peut pas, les deux, les trois. Ah, les trois. Moi, ça va me gêner à côté de Laurent Ruquier. Je ne serais pas détendu de la soirée. Si on pouvait cloisonner, ça m'arrangerait. En même temps, d'accord, on le fait. Vous voulez que je en parle à Laurent Ruquier? J'ai rien à cacher. J'aime beaucoup Laurent Ruquier, oui. J'ai même fait une fois, j'ai commandé une t-shirt. Elena, un petit cœur, Laurent. Non. Si. Ça peut marcher pour... Ouais, pour d'autres Laurent. Ça peut marcher pour tous les Laurents. Ouais. Ça peut marcher pour Laurent Boyer aussi. Il est très sympathique. Lui aussi. Ouais, ouais. T'as Laurent Romeshko qui est sympa aussi. Et Laurent Gérard qui cherche une gonzesse désespérément. C'est les Laurents, vous. Thierry, c'est beau aussi. Hein, Thierry, c'est très beau aussi. Ouais, vous préféreriez Laurent Ruquier ou un milliardaire russe? Dans quel sens et pourquoi faire? Pour faire votre vie, ma chère amie. Ni l'un ni l'autre, parce que Laurent Ruquier, il paraît qu'il n'aime pas trop des blondes. Bah, je dis. Merci. Mais je ne perds pas l'espoir. Et les milliardaires russes, ce sont... les milliardaires tout court, ce sont des garçons invivables. Ce sont des gens qui sont très, très possédés, qui sont excités par le pouvoir, l'argent, qui sont très compliqués. Je ne pense pas qu'ils vivent déjà pour eux-mêmes, et pas surtout pour leur famille, leurs proches. Je pense que ce n'est pas les meilleures parties, les milliardaires. Ah. J'ai bien étudié la matière. Bah oui, j'imagine. Les millionnaires, c'est mieux, c'est plus facile, c'est trop facile. Les millionnaires du dimanche. Donc vous publiez chez Grasset « Russe comme Crésus », ces milliardaires venus du froid. Alors le pitch, c'est le Far East a remplacé le Far West. Sur les décombres de l'URSS, de nouveaux hommes d'affaires ont mis la main sur les richesses du pays.
Ils sont milliardaires et ils affichent un luxe insolent, évidemment, à Paris, à Londres, à New York, à Monaco, à Gstaad. Ce sont, dites-vous, les nouveaux tsars de la Nouvelle-Russie. Voilà. Imaginez-vous un garçon le plus riche de l'Angleterre. C'est un Russe. Ouais. C'est un garçon qui est devenu un milliardaire à l'âge de avant 30 ans, qui a acheté Chelsea récemment et qui est 10 fois plus riche que la reine d'Angleterre. Ça fait rêver, moi. Ça fait quand même un peu rêver. Ça fait rêver et j'espère que ça va faire rêver les lecteurs aussi, ouais. Ceux qui vont lire. Ouais. Il y a 32 milliardaires en dollars. Il y a plus de milliardaires en dollars à Moscou qu'à New York. Et maintenant, ils vont en réintroduire dans les Pyrénées, il paraît. les éleveurs gueulent un peu, c'est pas fait encore. C'est pas qu'ils gueulent, c'est qu'ils mettent des pots de miel avec des éclats de verre dedans. Je suis sûr que c'est trois connards qui ont fait ça. C'est scandaleux. 32 milliardaires en dollars, c'est beaucoup, hein. Plus qu'à New York, imaginez-vous. Ouais. Ça fait 32 raisons d'arrêter de faire la télé-réalité, ça. Hein. Moi, j'ai jamais continué. Oui. Alors, ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est que c'est souvent des gens qui sortent de très bonnes écoles, en fait. Ah oui, tout ce qui est fascinant, c'est que ce sont les gens, contrairement à tous les clichés, les stéréotypes sur les Russes, sur les businessmen, ce sont des gens qui ont la certaine hygiène de la vie, qui font beaucoup de sport, qui ne boivent pas, qui font vraiment, ils font que travailler ou tout le reste très très sain, qui sont très cultivés. D'habitude, ce sont des gens qui ont 2 ou 3 formations supérieures. Ouais. Ce sont des garçons très très intellectuels, très intelligents, brillantissimement intelligents. Ouais. C'est fascinant. Ça fait chier que ça soit des mauvais partis quand même. Encore une fois, le meilleur mari, c'est quelqu'un qui vient parfois à la maison. Eux, entre Hong Kong aujourd'hui, Moscou demain, après-demain, je sais pas, Londres, c'est pas facile à vivre. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre aussi, c'est comment ils ont fait fortune. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que quand l'URSS s'est écroulée, ils ont mis la main sur les ressources naturelles du pays en rachetant leurs actions aux ouvriers. Ce ne sont pas seulement les ressources naturelles, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que quand on double, quand on devient milliardaire très vite et chaque année on double la quantité de ces milliards, c'est qu'au pétrole qu'on peut avoir ça. Donc avec cet argent, ils ont acheté des voitures, des villas, des yachts, des avions. Et souvent, on critique le luxe tapageur, un peu vulgaire, de ces milliardaires. Et vous expliquez ça par 70 ans de communisme. Vous dites qu'après 70 ans de communisme, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir envie d'étaler leur argent, quoi. On était privés de tout. Il n'y avait pas de luxe dans l'URSS. Et bien évidemment, dès qu'ils ont eu cet argent facile, c'est facile à dépenser, mais c'est aussi lié un peu à la générosité tout naturelle des Russes. On est un peu oriental dans ce sens. On dépense facilement l'argent. Alors le problème, effectivement, c'est qu'après avoir dilapidé les trésors de leur pays, aujourd'hui le pouvoir russe reprend les choses en main, quoi. Il y en a un qui est en taule, là. C'est fameux Khodorkovsky, le patron de ex-patron de Yukos. Ouais. C'est effectivement ce prisonnier le plus riche du monde. Mais c'est pas tout à fait économique. Je pense qu'il y a des enjeux politiques dans cette affaire. Ouais. Donc aujourd'hui, Poutine a envie quand même de reprendre le pouvoir sur ces gens-là, quoi. Et peut-être il a raison. Donc vous faites le portrait de 12 milliardaires russes, mais enfin vous les ménagez, hein. Vous n'avez pas envie de finir comme Klebnikov qui s'est fait assassiner, hein. Il a fait un article sur eux, il est mort, le mec. Effectivement, mais déjà c'était pas tout à fait... C'était un Américain d'origine russe qui ne comprenait pas peut-être toujours cette liberté de parole. Il fallait vraiment être plus attentif ou... Je ne sais pas, on ne connaît pas tout à fait les raisons de sa mort. C'est sûr que c'était lié à cette affaire. C'est passé tout de suite après la publication des 100 les plus riches russes. La première fois en Russie, ils ont le magazine Forbes a publié 100 les plus riches. Bien évidemment, les Russes riches d'aujourd'hui n'aiment pas trop d'être dévoilés. Je risque d'avoir certains peut-être... ça ne va pas leur plaire, peut-être. En tout cas, ils ne vont pas vous faire tuer. J'espère bien, mais si c'est le cas, on va être au courant pourquoi. Ouais. Ils vous ont fait des cadeaux déjà, les milliardaires russes ? Oui, parce que j'en ai beaucoup des amis parmi ces gens-là, mais ils sont très généreux, les Russes. On va voir, on va faire une interview cadeau.